Bonjour à tous. Une courte vidéo pour tous ceux qui rêvent d'écrire un livre. Comme je l'ai annoncé, je veux créer un groupe pour les personnes qui ont vraiment envie de passer à l'action, pour faire que l'idée ou le manuscrit inachevé aille jusqu'au bout. Que vous puissiez aller au bout de votre rêve. Je sais que parmi ceux qui m'écoutent, il y a plein de personnes qui ont des belles histoires de vie, inspirantes, des beaux témoignages à partager, que ce soit sous forme de romans, sous forme de récits, sous forme de guides pratiques. Et c'est dommage que tous ces toutes ces belles inspirations soient finalement reléguées dans un tiroir. Donc j'ai eu l'idée de ce groupe parce que j'anime déjà un groupe qui s'appelle Amusons-nous à être des créateurs conscients. Et c'est fantastique en fait ce qui se passe dans un groupe, surtout sur une période longue. Parce qu'il y a un effet entraînant, il y a un effet puissant, pour moi, il y a vraiment quelque chose de fort. Et du coup, j'ai eu envie de proposer la même chose pour tous ceux qui veulent aller se lancer dans cette aventure formidable qui est l'écriture d'un livre. Alors brièvement et très très concrètement, parce qu'après vous aurez tous les détails sur la page internet de mon site. Mais en gros, ce qu'on va faire, c'est donc un accompagnement qui n'est pas une formation, qui est un accompagnement en coaching, hein, 3 mois, où moi je vais vous accompagner sur les 3 étapes de l'écriture d'un livre, donc la préparation, l'écriture et la publication. À la fois sur on va dire, des détails très très concrets, voilà comment je fais un plan, comment je réunis mes idées, comment je structure mon écrit, comment j'écris à des éditeurs, comment je les choisis, enfin, vraiment des détails très très pratiques. Et puis des choses aussi reliées à toutes ces limitations, tous ces freins qu'on se met intérieurement. Et l'écriture d'un livre, il est vraiment révélateur de nos freins intérieurs. Par exemple, quand on n'est pas inspiré, par exemple sur la peur d'être visible. En fait, tout ça, toutes ces peurs vont émerger au fil de l'écriture. Et c'est pour ça que c'est important d'être bien accompagné dans ces moments-là, parce que sinon, ça donne le résultat que le livre, il reste dans le tiroir, quoi. Donc, c'est pour ça que je tiens à faire de cet accompagnement. Quelque chose entre guillemets, d'efficace, même si on n'a pas envie de mettre d'objectif, mais que vous puissiez avoir un groupe sur lequel compter pour mener votre rêve jusqu'au bout. Donc, comme je vous disais, ça va durer 3 mois. Il y aura donc 2 lives par mois. Donc là où moi j'apporterai du contenu, mais vous allez pouvoir aussi poser vos questions. Il y aura donc une page Facebook privée, donc un groupe Facebook privé, où là, vous pourrez écrire au quotidien ce qui est présent pour vous. Hein, donc ce sera un groupe de partage, un groupe de connexion, un groupe d'encouragement aussi. Sous la vidéo, je vais mettre un lien sur ma page donc internet. Il y a tous les détails. Le programme va commencer en avril, la date n'est pas fixée encore, mais incessamment sous peu. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter très brièvement. Je suis donc Sylvie Retailleau, je suis auteure de 6 livres, dont 4 qui ont été publiés en 4 ans.
Et j'accompagne des personnes à porter un regard différent sur la vie. C'est vraiment ça que moi je partage à la fois au travers des livres, au travers des ateliers d'écriture, au travers du groupe Amusons-nous à être des créateurs conscients. C'est vraiment ça, c'est comment je peux changer ma perception et comment le simple fait de changer la perception, d'être moins conditionné par le passé, fait que ma vie va avoir une saveur, une teneur beaucoup plus paisible, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus enthousiaste, etc. Alors, au cours de ces années d'écriture, de publication, moi, je me suis un peu débrouillée toute seule. J'ai appris énormément. Ça a été magique parce que j'ai vraiment énormément appris sur moi-même et puis aussi tout le côté pratique dont je vous parlais. Et ça, je pourrais effectivement partager et vous partager mon expérience. Mais surtout, ce que j'ai envie j'ai envie aussi de voir vos yeux briller quand vous ouvrirez votre premier carton et que vous aurez votre premier exemplaire entre vos mains, ou quand vous déambulerez dans une librairie et puis vous verrez votre livre sur une étagère. C'est vrai que tout ça, c'est des moments vraiment magnifiques, quoi. Ce matin, en tournant cette vidéo, j'ai repensé à un homme que j'avais rencontré dans un avion entre Nantes et Lyon. Et c'était au moment où moi je venais de terminer mon premier roman et on avait discuté de livres évidemment. Et cet homme m'avait confié qu'il avait un projet d'écriture, qu'il rêvait d'écrire un livre. C'était un homme qui était architecte. Et j'oublierai jamais en fait ce pétillement dans les yeux quand il y avait eu cette. Voilà, j'avais ressenti son enthousiasme. Et c'est ça que j'ai envie de proposer aujourd'hui, c'est de vous lancer, quoi. Laissez pas votre envie dans un placard, quoi. Le monde a vraiment besoin de vos belles histoires, de vos belles inspirations. Ne tardez pas à venir nous rejoindre. Moi, je vais privilégier un petit groupe pour qu'on puisse justement avoir cette proximité, cette intimité qui va faire que les plus belles perles d'écriture vont pouvoir émerger. Je vous souhaite le meilleur. À tout bientôt.